grâce, Julien. Vous voyez, on a mis les petits plats dans les grands pour cette courte cérémonie de clôture avec quelques danseurs, avec le DJ Martin Garrix aussi. On n'a pas eu droit au chanteur Bono qui avait donc créé l'hymne de cette Euro 2020, disputée en 2021. Mais cette courte cérémonie est festive malgré tout, dans un Euro qui aurait été au cri des villes, diamétralement opposé notamment, je pense, au public et aux supporters, que vous alliez de Séville à Bakou en passant par Budapest ou Rome, il y avait des jauges très différentes. Et moi, j'ai une pensée particulière pour tous les supporters des Biélorusses qui n'ont pas évidemment pu se rendre dans les stades où se déroulaient nos rencontres. Partie remise. De cet invité également dans cette cérémonie de clôture. Quand je dis partie remise pour nos supporters, ce sera au Qatar, le prochain tournoi pour les Diables. Il faut qu'ils se qualifient, ça vous n'en doutez pas un seul instant, Philippe. Je pense qu'on va se qualifier avec une équipe qui devra montrer un autre visage, parce que c'est vrai qu'on a souffert de certains moments, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Oui, le Qatar, c'est un tournoi évidemment diamétralement opposé à celui-ci, dans la mesure où tous les stades se trouveront dans un périmètre vraiment très très proche. Le Qatar, c'est à peu près la taille de la région wallonne. Et vous y mettez 10 stades, imaginez ça, c'est assez incroyable. Et donc, on va presque aller en trottinette d'un stade à l'autre. Petit archive. Oui, le tournoi. Le championnat d'Europe a débuté en 1960, première édition à l'époque. Il est même passé deux fois par la Belgique, en 1976 et aussi, on s'en souvient, en 2000, lors de notre organisation conjointe avec les Pays-Bas. Voilà, et les Pays-Bas justement avec Rugby en 1988. L'étonnant Danemark qui a reçu le prix.